Alors, bonjour tout le monde, Stéphane Labrie, ressources conseiller pédagogique Récit régional pour la Côte-Nord, anciennement enseignant en mathématiques. Donc, j'anime avec Emmanuel, je peux te laisser te présenter. Oui, donc Emmanuelle Couture, enseignante à la commission scolaire Beauce-et-Chemin, enseignante de maths et sciences. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a une ordre du jour assez chargé en question et donc ça devrait être intéressant. Juste avant de commencer, petit rappel, on ne sait pas s'il faut absolument le faire, mais on le rappelle quand même, donc de télécharger l'application via suite à la future disparition de Flash. On ne sait pas quand, mais un jour, devrait disparaître, donc on va pouvoir passer par l'application. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez aller télécharger l'application directement sur le site des après-cours. Retour sur les dates pour les prochains après-cours. Donc, il reste deux après-cours d'ici la fin de l'année, donc soit le 16 mars et le 7 mai. J'en profite aussi pour parler. Ce n'est pas à l'ordre du jour, mais on va faire une rencontre dans la communauté formation à distance pour des matières spécifiques. Donc, il va y avoir une rencontre seulement pour les mathématiques en formation à distance. Donc, si vous connaissez des gens qui travaillent à la formation à distance dans vos centres, qui pourraient être intéressés par une rencontre seulement pour discuter des mathématiques en formation à distance, ou si vous voulez y être, si vous pourriez peut-être juste m'écrire leur nom ou leur adresse courriel, soit dans le chat ou dans le document collaboratif. On les prendrait en note, puis on va contacter avec la date que ça aurait lieu. Ensuite, on passe au momentique. Donc, c'est Emmanuel qui va vous présenter un colis. Donc, qu'est-ce qu'un colis? Donc, je laisse la parole à Emmanuel. Oui, donc en fait, vous savez, donc on prend peut-être un petit moment là, pour vous montrer soit une application technologique, mais là, c'est aucunement une application technologique, c'est plus comme un site web ou plus une ressource que vous pouvez utiliser avec vos élèves en maths. Je vais partager mon écran et je vais vous montrer. Donc, je vous ai mis le lien dans le document collaboratif. Je vais vous le remettre dans le clavardage. Juste un instant. Bon, parfait. Merci, Richard. Donc, comment ça fonctionne? En fait, c'est que lorsque vous allez sur le site, vous avez des Kelly. En fait, c'est quel est l'intrus? Donc, vous présentez à votre élève, c'est des pages qu'à l'intérieur, il y a quatre carreaux, donc quatre nombres. Ça peut être des fonctions, ça peut être des figures géométriques, ça peut être des solides. Et c'est de demander à l'élève de trouver l'intrus. Et il n'y a pas de bonne réponse. En fait, c'est que chacun des quatre éléments peut être un intrus. Donc, c'est pour pratiquer la justification avec vos élèves. Si par exemple, là, je prends quel est l'intrus ici, donc avec le 36, 45, 9, 16, mais on pourrait dire que c'est 45 qui est l'intrus car ce n'est pas un carré. Donc, 36 est un carré, 16 est un carré et 9 c'est un carré. On pourrait, donc là, on pourrait dire aussi 36 est un intrus car, et là, on a amené l'élève à justifier. Donc, ça fait des beaux débats à faire en classe. Moi, je sais que dans ma classe, à chaque semaine, je mets un énigme ou tableau et souvent, je vais mettre des quel est l'intrus et ça apporte des très belles discussions mathématiques en classe. Donc, je vous encourage fortement à l'utiliser avec vos élèves. Des fois, ça peut être juste à la fin d'un pré-test, vous glissez ça entre deux questions. Puis ça fait différent un peu. Donc là, vous voyez, là, sur le site, il y en a plusieurs, mais il y en a aussi beaucoup en anglais. Donc, si vous voulez aller, là, vous écrivez, là, je vous ai donné le site de Jocelyn Dagenais, mais vous écrivez Kelly dans Google et vous allez en avoir plusieurs. Et vous pouvez travailler, là, c'est ça, donc soit plus l'arithmétique ou la géométrie ou des statistiques. Donc, c'est super intéressant. Puis, si vous en faites, vous me donnerez les feedbacks là, avec vos élèves. Là, j'aimerais ça savoir comment que ça se passe ici dans vos centres. Mais ça peut être très intéressant. Et même dans le site, dans le haut, vous avez comment faire. Donc, c'est quoi le but de l'activité, comment vous pouvez l'apporter en classe. Donc, c'est des petites idées ici. Et vous avez aussi un onglet là, qui est ressources. Donc, c'est un site web où que vous avez plusieurs Kelly, mais c'est malheureusement, c'est des Kelly. L'explication va être en anglais, mais ça peut vous donner d'autres idées.
Donc, voilà rapidement. C'était quoi un Kelly? Puis, comme je vous dis, là, je vous encourage là, fortement à venir en essayer avec vos élèves. Là, c'est, moi, je sais que mes élèves, ils tripent au bout d'en enfer. Donc, et voilà. Merci beaucoup pour le partage. Quelques questions qui sont venues de la communauté. Donc, vous savez, à chaque rencontre, on vous invite à nous écrire des questions si vous en avez directement dans le document ou à nous. Donc, cette semaine, on en a quelques-unes ici. Donc là, on parlait d'un problème récurrent. Ça, c'est pas vraiment une question, mais donc, le manque de stratégie des élèves et la difficulté au prof de trouver le temps et les façons de les enseigner. Donc, je pense que tout le monde s'y reconnaît un peu là-dedans. Sinon, première question, comment ça va dans vos centres avec le sigle MAP 3053? Donc, c'est Hélène Savard qui posait la question. Donc, on lance la question à tous. Donc, comment ça va, vous, dans vos centres, sur ce sigle-là? Donc, Francis, tu peux y aller. Nous autres, moi je suis en Gaspésie, les mathématiques 3053, il y a beaucoup d'échecs, j'ai beaucoup d'élèves qui passent pas l'examen de la première fois. Puis la difficulté, ben, c'est dans les tâches. C'est là le problème, surtout dans les trois tâches, là. Ouais, fait que c'est ça le constat, c'est qu'il y a beaucoup de reprises là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de contenu dedans. Je sais qu'il y a Hélène dans le chat qui écrit que c'est très long à réussir, donc on y attribue 100 heures et on en ajouterait. Donc je pense que c'est un constat que c'est assez difficile. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des expériences à partager? Donc on a Marc-André qui parle d'une moyenne de 83 heures, mais 50% de réussite. Donc je pense qu'on est un peu tous dans le même bateau. Donc, est-ce qu'il y aurait des choses qu'on pourrait faire pour aider nos élèves à ce niveau-là? Ce serait peut-être bon de porter la question. Je laisse encore quelques instants. Donc, on a Hélène Savard qui dit on commence par le 3053. François qui dit de façon plus individualisée, possible d'intégrer des Kelly. OK, ça c'est plus en lien avec la présentation de tantôt. Donc, je pense qu'on va passer au prochain point qui est aussi concernant le 3053. Donc, s'il y en a d'autres qui veulent rajouter, n'hésitez pas. Donc, concernant le 3053, est-ce que vous faites systématiquement écrire les formules géométriques sur la feuille de mémoire de l'élève? Vous ne lui dites absolument rien de particulier ou vous fournissez une feuille de formules géométriques comme en FBC? Donc, on parle à Trois-Rivières, donc on dit à l'élève de l'écrire, mais on se posait la question si on pouvait le fournir aux élèves à la place. Dans la DDE, c'est écrit que la feuille de mémoire doit être faite par l'élève. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous? Donc, Hélène qui dit on donne les formules pour qu'ils écrivent celles qu'ils ne connaissent pas par cœur. Donc, on en donne quelques-unes de ce que je comprends. OK, sur leur feuille de mémoire. Donc, on leur donne puis les écrivent sur leur feuille de mémoire. Donc, Hugo qui dit qu'ils ont aussi le même questionnement dans leur centre. Dans la DDE, je pense que clairement, on n'a pas le droit de leur fournir d'autres feuilles. Donc, habituellement, les ministères sont assez stricts là-dessus. C'est vrai qu'Émilie dit que ce n'est pas ministériel. Donc, peut-être à ce niveau-là, encore une fois, là, il peut y avoir des décisions de centre qui peuvent se faire. Donc, élève ajoute les formules sur la mémoire. Donc, Francis dit que lui les ajoute, les élèves. Marc-André qui veut prendre la parole. Salut, je vais être plate parce que ça, c'est une question qu'on commence à se poser chez nous. Tu sais, souvent, les feuilles d'aide-mémoire, c'est des notions mathématiques qui se retrouvent dessus, que ce soit, ben, on va dire des savoirs mathématiques qui se retrouvent dessus, que ce soit justement l'ensemble des formules, l'ensemble des fonctions, l'ensemble des peu importe quoi, là. Et c'est, moi, j'étais à réfléchir avec notre équipe sur qu'est-ce qu'on doit réellement mettre une feuille d'aide-mémoire avec l'élève? Parce que, tantôt je l'ai entendu, les élèves, ils vont échouer sur, pas les connaissances, les connaissances de base, ils vont échouer sur les tâches complexes. Là, on s'entend que mon bassin d'expérimentation est très petit, mais cette année, avec du secondaire 2, je me suis attaqué uniquement à, OK, on va regarder ta feuille mémoire, on va l'attaquer avec c'est quoi les stratégies que tu as besoin
pour être capable de te sortir de n'importe quelle situation complexe. Puis au final, la plupart des savoirs ne se sont même pas retrouvés sur la feuille d'aide-mémoire de l'élève, parce que où est-ce qu'il bloque, c'est comment starter un problème. C'est beaucoup là qui bloque. Là. Ils se retrouvent devant une tâche complexe, puis ils font comme « My God, ils veulent quoi là-dedans? Là? » Puis leur feuille d'aide-mémoire, qui est constituée de plein de savoirs, ils ne savent pas quand les utiliser. Fait que, au final, avec mon monde de deux, là, ce que j'avais fait, on avait dit « OK, c'est pas en géométrie, mais ça reste que l'attaque se ferait de la même manière. Là. OK, comment on fait pour décortiquer c'était en modélisation algébrique. Désolé, je reviens toujours là-dessus. Là. Mais j'ai hâte de le donner, m'emmener la géométrie, j'ai hâte de le donner. Mais au final, c'était OK, c'est quoi les stratégies que tu as besoin de connaître pour savoir que tu recherches un modèle algébrique? C'est quoi les mots qui vont ressortir? C'est quoi le. Comment tu vas faire pour savoir ce que tu recherches? Puis finalement, l'élève avait fini par monter une feuille de notes qui avait aucune connaissance mathématique. Les savoirs mathématiques, là, je pense qu'il y avait un élément qui se retrouvait dedans. Puis le reste, c'était que des stratégies pour comment je vais me démerder dans une résolution de problème. Et finalement, elle a passé de 27 % à 32 %. Puis quand on l'a accompagnée comme ça, elle a monté à 62 %. C'était pas si élevé que ça, mais par rapport à son 27 puis 32, puis je me souviens quand on a parlé de sa feuille mémoire avant de l'envoyer en examen, j'ai demandé, puis tu te sens comment avec, là tu as écrit ça, là, mais tu te sens comment avec ça? Et la réaction de l'élève, de cet élève-là en particulier, m'avait dit, j'ai l'impression d'avoir fait une feuille mémoire pour du français. OK? Tes feuilles mémoire d'avant, tu avais fait comment? Ah, plein de notions de mathématiques, c'était écœurant, là, j'avais tout été écrit. Puis ça t'a-tu aidé? Eh non, j'ai poché. OK? Puis là, ça te dit quoi? Tu te sens-tu bien? Puis tu es à l'aise? Tu penses-tu pouvoir passer avec ça? Puis elle me répond, ben je m'attends que je peux espérer le 100%. Là. Okay, on s'entend qu'elle n'a pas eu le 100%. Mais elle est arrivée avec une confiance en elle qu'elle n'avait pas avec une feuille d'aide-mémoire qui était basée uniquement sur les connaissances. Elle avait une feuille mémoire qui, selon moi, était basée sur c'est quoi les compétences qu'on s'attend qu'elle soit capable de déployer en évaluation. Ça vaut 80 % de ta note, ça. Il faut que les feuilles d'aide mémoire, il faut être capable d'accompagner nos élèves à amener, justement, tantôt vous en parliez, les stratégies. C'est quoi les stratégies qui sont efficaces en géométrie? comment tu vas reconnaître tes formes, comment tu vas aller savoir si c'est l'air, peu importe. Là. Mais c'est quoi les compétences que tu as besoin pour starter ton problème? Parce qu'après ça, quand c'est raisonnement mathématique, là, moi c'est de même que je le vois, là, c'est résolution de problème, c'est comment tu le startes, comment tu sais ce que tu as besoin de savoir, comment tu sais comment te rendre où. C'est là que le monde bloque. Et en bloquant là, comment tu veux que l'élève il fasse son raisonnement mathématique qui est en fait l'application de toutes tes connaissances. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, on est en discussion sur comment on va le faire pour le déployer à plus grande échelle dans bord. C'est pas juste expérimentalement Marc-André qui l'a essayé. Là. Nous autres, c'est dans notre projet éducatif que l'année prochaine, s'attaquer à ça, nos feuilles de comment on structure nos élèves pour les préparer à faire leur feuille d'aide-mémoire. Merci beaucoup. C'est très, très, très intéressant comme partage, comme toujours, en fait. Je pense que c'est effectivement, je serais même curieux de voir une feuille d'aide-mémoire d'un de ces élèves-là. Je pense que c'est intéressant de voir ça. Sortir un petit peu de la feuille traditionnelle que finalement l'élève n'utilise pratiquement pas à l'examen parce qu'il n'est pas capable de savoir quelle connaissance appliquer. Si tu me permets, là, Stéphane, là, je ne sais pas si Marc-André, là, c'est possible pour toi, mais peut-être qu'au prochain après-cours, un partage d'écran d'une copie de qu'est-ce que tu aimerais développer avec tes élèves là, par rapport à des feuilles de stratégie, ça pourrait être super intéressant comme partage avec la communauté. Donc, tu sais, votre vision de la feuille ou un exemple de feuille qui a été fait ou comment tu voudrais apporter la feuille, je pense que le visuel là, serait bien. Donc, je lance l'idée. Donc, si tu es là à la prochaine après-cours, ça pourrait être intéressant.
Il y a Laurent Demers aussi qui partage donc, un petit site là, sur un atelier de stratégie de résolution de problèmes. Donc, je vous invite en clavardage là, à aller voir peut-être le lien qui a été mis par Laurent. Merci beaucoup. Hélène qui approuve qu'elle voudrait en voir une. Donc, je pense qu'il y a de l'intérêt à ce niveau-là. Je pense que je suis pas mal sûr que c'est pas la seule. Il y a Francis qui parle même de, donc pourquoi refaire une nouvelle feuille mémoire, aide mémoire à chaque reprise. Effectivement, si on se fait une feuille sur nos stratégies, on pourrait même conserver, la bonifier, puis que ça devienne comme un outil pour l'élève qui est toujours réutilisable à chaque examen. Je pense que ça peut être une très bonne idée. Il y a Marc-André finalement qui dit « Bon, j'ai regardé pour la montrer. » Donc, on va peut-être avoir quelque chose au prochain après-cours. En tout cas, on va espérer, on se croise les doigts. Oui, parce qu'en fait, là, si on y pense, la feuille d'aide-mémoire pourrait très bien, si on y va avec des stratégies, pourrait très bien être réutilisée. Pas juste dans un cycle, ça pourrait être comme une feuille de mémoire que l'élève se met des stratégies puis qu'il peut utiliser en deux, en trois. Tu sais, dans le meilleur des mondes, là, ce serait de comment bien résoudre, c'est ça, de trouver des stratégies de résolution qui pourraient être utiles dans chacun des cycles. Fait que, des fois, il pourrait faire le travail une fois, un gros travail, mais qui pourrait réutiliser par la suite. Ou selon les notions, là, disons les grands termes, là, une en statistique, une en géométrie, une en arithmétique, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Voilà, donc je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres choses à ajouter avant qu'on passe à l'autre point, donc au niveau des feuilles de mémoire, donc est-ce qu'il y en a? Donc on a Laurent qui veut prendre la parole. Oui, en fait, c'est juste pour faire une petite précision sur le lien que je vous ai partagé là. C'est un projet qu'on a eu à Montérégie où il y a un enseignant qui a fait des ateliers sur l'enseignement des stratégies de résolution de problèmes là, sur un modèle d'enseignement explicite. Donc, si vous allez sur le lien là, que je vous ai partagé, puis vous allez dans le troisième onglet, il y en a un qui s'appelle capsule vidéo, il y en a un qui s'appelle atelier de lecture, puis il y en a un qui s'appelle atelier de résolution de problèmes. Bien, sur celui-là, vous allez voir une série de 8 ou 9 ateliers. Il y en a qui sont dédiés à des cours en particulier, mais il y en a qui sont des ateliers de, je dirais, génériques. Là, donc, c'est comme exclure les données superflues, planifier à rebours, schématiser une situation. Donc, ça s'adresse pour tous les cours, je pense. Donc, allez voir, c'est un petit clé en main là, sur l'enseignement explicite des stratégies de résolution de problèmes. Ce qui est bien avec chacun des ateliers, là, l'enseignant, il y a une capsule vidéo où on voit le modelage que l'enseignant fait. Il va avoir le fichier notebook s'il veut le faire avec un smart. Il va avoir aussi tout le verbatim du modelage que l'enseignant, par lequel il est passé pour faire son modelage, en fait. Là. Donc, puis les petites tâches qu'il a utilisées pour faire ses différentes pratiques. C'est vraiment beaucoup, je pense, même dans le clavardage. On a Hélène qui l'a bien contente. Donc, dernière petite question. En fait, il en reste deux, on pourrait dire. De quelle manière classez-vous vos élèves dans les sigles présecondaires, P101, P102, P103, P104 et FBC? En fait, le questionnement vient de la direction de mon centre qui présentement se pose la question là, au niveau de parce que nous, on avait un test qu'on trouvait un peu désuet, puis on se demandait s'il y en avait, qu'il y avait des choses à partager à ce niveau-là, de quelle manière qu'ils s'y prennent donc pour les classer dans les cycles présecondaires. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à partager? Donc, il y a Hélène qui dit qu'on fait passer seulement P101 et P104. Si on les fait faire une préparation notion de base. Donc, est-ce que cette préparation-là, c'est dans un document? Est-ce que c'est des cours qui sont donnés à l'élève? Est-ce que c'est les mises à niveau? Je sais qu'il existe les mises à niveau. Est-ce que c'est ça que vous donnez? Oui, un document incluant les 5 évaluations. OK. Donc, Francis qui dit nous aussi préparation de documents de base par un ortho. Donc, vous avez des documents qui sont indépendants, qui ne viennent pas d'une maison d'édition en tant que telle. Vous n'utilisez pas Brou et Broutiller, les briques énormes. OK. Et ça, ils font un test diagnostique. Excellent. Comment que ça va, le document maison? Hein? Est-ce que c'est un. Est-ce qu'après ça, l'élève, lorsqu'il rentre en 1101 ou en 1102,
Est-ce que ça va bien ou est-ce que tu sais, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de rattrapage à faire? Okay. Donc pour ceux qui ont des documents là, faits maison, puis je vais relancer notre. Parce qu'Hélène, habituellement. Il a bien fait selon moi, OK. Puis. Donc, Francis, il dit rattrapage pour problème complexe en 1101. OK, donc ils ont de la difficulté. Est-ce que c'est toujours plus difficile, là, mais avec les problèmes complexes. Donc, le doc, c'est vraiment des notions de base. Donc, on travaille vraiment seulement les savoirs dans les docs de revision. Je me permets de lancer la question de la part de ma direction. Donc, si jamais c'est possible, si des choses qui sont possibles de partager, c'est sûr, nous, ça nous intéresse. Je ne sais pas si ça peut nous intéresser d'autres, mais si des choses que vous pouvez partager puis que vous voulez partager, n'hésitez pas. Nous, c'est sûr qu'on serait bien heureux. Mais bon, si vous ne voulez pas le partager, il n'y a pas de problème non plus. Donc, Hélène qui va demander à sa direction si on peut le partager. Merci beaucoup, c'est très, très apprécié. Donc, Émilie qui serait intéressée aussi. Émilie qui dit c'est beaucoup en lien avec la prochaine question qu'on a eue ici. Donc, on va se lancer dans la prochaine question, je crois. Donc, quel est le matériel utilisé en pré-secondaire? Donc, quel matériel utilisez-vous? Je sais qu'il existe le brouille-boutillé, la version Sodepaisse, le petit cahier mis à niveau aussi. Qu'est-ce que vous utilisez? Hélène qui parle du brouille-boutillé. Est-ce que vous utilisez le je sais pas si vous savez de quoi je parle, il y en a un qui est plus gros, là, c'est le livre complet ou tu as le mise à niveau qui est un peu plus petit, là, le brouille-boutillé. Donc, le gros livre. Parfait. Donc, il était la même chose, brouille-boutillé, le gros livre. Donc, je sais qu'Hélène, elle donne seulement le P101, P104. J'imagine que ce sont plus pertinents pour le cheminement de l'élève. Est-ce qu'il y en a qui utilisent du matériel maison ou autre chose? Est-ce que... J'ai une drôle de question, mais est-ce que là, c'est Manon Connaissance là, qui parle? Je connais le brouille-boutier, mais est-ce qu'il y a d'autres maisons d'édition qui ont fait du pré-secondaire? Est-ce que vous en à connaissez d'autres? Ma connaissance, donc? J'en connais pas d'autres. Guérin, okay. Okay. Est-ce que Nancy, vous l'avez essayé dans votre commission scolaire, le Guérin? Est-ce que vous avez des commentaires dessus? Non, OK. C'est bon. Donc, ce serait peut-être à regarder aussi. Parce que c'est sûr qu'il fait peur, le brouille-broutille. Là, tu arrives ça avec l'élève, puis l'élève a un petit stress directement. Là. Donc, ce serait à voir le Guérin pour être une option. Mais si tout le monde s'est tourné vers brouille-broutille, c'est sûrement qu'il y a une raison. Malheureusement, je ne la connais pas. Des guides maison. Est-ce que Marc-André, vous faites les quatre sigles avec le guide maison ou vous avez un guide qui regroupe de P101 à P104? C'est les quatre sigles dans un. OK. Parfait. Donc, on voit qu'il y a des guides maison aussi qui sont faits, qui incluent les quatre sigles, qui pourraient être une option aussi qui est moins démotivant. Je ne peux pas dire ça comme ça, là, mais quatre briques de 300 pages, ça peut être démotivant. Moi, j'essayais de dire aux élèves que le collégé en prenait quasiment le tiers. Là. Donc, ça, des fois, ça peut être un peu plus encourageant. Donc, Hélène qui dit que c'est vrai que le collégé représente le un tiers, effectivement. On peut pas. C'est intimidant, mais quand on observe ça, c'est moins pire que ça en a l'air. Donc, on va passer au prochain point. Petit retour rapidement sur un point qui avait été discuté lors de la dernière rencontre. C'était à propos d'un élève qui avait échoué toutes les versions de son examen. Donc, on s'était posé la question, c'était des sigles qui étaient ministériels. Donc, il n'y avait plus de version d'examen. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ces cas-là? Donc, la réponse... qui a été donné au ministère. Première des choses, c'est qu'il disait qu'il mettait de la pression pour que les nouveaux examens, donc on se rappelle en maths 41-53, il y a des examens qui sont supposés sortir, on ne sait pas trop quand est-ce, mais
Donc, ils sont en train de retravailler les examens, puisqu'il y avait des incohérences là, au niveau du temps, je crois, si je me rappelle bien, c'est ça que je ne sais pas si Emmanuel peut me. En tout cas, ils sont en train de retravailler les examens. Donc, ils mettent de la pression pour que les nouvelles versions arrivent bientôt. Ils disaient aussi que on ne devrait pas redonner une forme qui a déjà été donnée. Donc, je sais que dans certains, on se posait la question donc, si c'était possible, mais eux, ils disent, sont clairs là-dessus, qu'ils ne devraient pas donner une version qui a déjà été donnée, peu importe le temps d'attente entre les versions, et aussi qu'on ne peut pas donner la forme B qui a été retirée. Donc, ça aussi, là, c'était ce qu'ils mentionnaient. Et il finissait par mentionner que ça appartenait à nous de dire à la DUC qu'il n'y avait que deux versions. Donc, selon eux, c'est notre devoir d'avertir l'adulte. Donc, ça ressemble à ça, leur solution. François, ça semble faire rire, lui aussi. Je pense que pas mal tout le monde en est un peu bouche bée. C'est bon. Donc, on va espérer que les. J'ai pas le. Francis me demande FBC, est-ce que c'est la même chose? J'ai pas les détails. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider là-dessus. J'avais la réponse à propos des signes ministériels pour le secondaire 4. Mais vu que c'est BIM, d'après moi, je veux dire, on peut faire des examens maison, effectivement, comme François dit. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème là, à ce niveau-là. Je ne pourrais pas confirmer. Hélène qui dit, est-ce qu'il serait possible à l'avenir de pouvoir relire le clavardage des rencontres, s'il vous plaît? Oui, c'est possible. En fait, est-ce que Richard pourrait juste me dire à quel endroit déjà c'est dans le sous-sol? Absolument. C'est la première page du document collaboratif. Vous avez un tableau récapitulatif. Vous avez le lien qui vous amène à l'article. Et à droite, vous avez la copie du clavardage. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Richard. peut-on donner deux fois la même forme dans FBC? Donc, c'était la question que moi-même, je n'avais pas la réponse. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à ce niveau-là. Donc, on avait la confirmation. C'est sûr que les épreuves ministérielles, on ne pouvait pas. Donc, il mis Stanislav qui dit « j'espère ». Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a la réponse. On peut toujours aller aux sources encore une fois pour s'en assurer. Ça pourrait être une bonne idée d'aller vérifier là, si, tu sais, comme ministériel, on ne devrait pas. Est-ce que c'est les mêmes réglementations là, pour la FBC, mais étant donné qu'on peut en faire des maisons, est-ce qu'on a une latitude par rapport à ça? Donc, ce serait bien de peut-être aller vérifier. Là. On va essayer de vous en revenir avec la réponse là, pour le prochain après-cours. Donc, François qui dit « c'est selon vos normes et modalités de commission scolaire ». Donc, Laurent Demers dit « l'évaluation et des responsabilités locales, FBC ». Donc, je crois que ça peut vous aider. Donc, on aurait le droit. Donc, ce serait vraiment selon vos normes et modalités de votre commission. Parfait. Merci beaucoup. On avait la question à propos du matériel utilisé pour les sigles de secondaire 5. On avait eu, je pense que c'est François qui est venu ajouter quelque chose là-dessus. Donc, c'était à propos du 51-71. Ça se peut-tu, François? Je ne sais pas si tu peux m'aider. Ouais, exact. En fait, j'allais voir une collègue avant-hier. Puis, deux élèves qui ont passé au travers de SN de 4. A relativement bien été, puis là, en SN de 5, ça va pas bien du tout. Donc, elle se posait des questions, elle voulait savoir si qu'est-ce qui se faisait un peu ailleurs pour aider les élèves là-dedans, dans une classe très hétérogène. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à partager? Présentement, elle utilise sa FAB. On a commandé les volumes de points de mire, là, comme... matériel d'appoint si on veut, là, mais on les a pas utilisés encore. Puis c'était principalement en 51-71 que c'était vraiment pas évident. Là. OK. Là, on a des réponses dans le clavardage. Je ne sais pas si y en a qui peuvent mentionner est-ce que ça va bien. Il y en a qui utilisent point de mire, il y en a d'autres qui utilisent qui sont fait un mix des anciens manuels brouille-boutillier.
Donc, est-ce qu'il y en a qui pourraient me donner plus de détails? Comment ça va? Est-ce que vous avez des feuilles de route? Québec avait fait une feuille de route pour 51-73, quand à l'époque, là, sa fête n'était pas sortie, donc il l'avait fait pour point de mai. Mais j'ai rien trouvé là, dans le modèle FGA pour 71. Donc, s'il y en a qui utilisent point de mai, est-ce qu'ils l'utilisent en appoint ou est-ce qu'ils ont ciblé des chapitres, des pages, des choses comme ça? Francis, tu dis, Donc, Francis. Fait que c'est comme si dans un point de main, la modélisation algébrique est dans trois chapitres. Donc, on a Émilie qui serait prête à partager son expérience, même si c'est minime, je pense que ça peut être intéressant. Il y a pas, je ne sais pas si tu voulais prendre la parole. Dans toute la CS, on a juste trois élèves là-dedans, mais c'est quand même dont un se dirige en génie civil, je pense. Mais ça le bloque, ça le ralentit, ça le décourage beaucoup aussi, là. Alors que ça avait quand même bien été là, en secondaire 4. Donc, pour l'instant, on a augmenté ses heures en sciences versus en maths, là. Mais... Je sais que nous, en ETCS, on utilise seulement SOFAD, puis comme c'est là, on a trois élèves qui l'ont fait, deux élèves qui étaient, c'était des cours préalables pour des cours compensatoires à l'université. C'était des élèves qui étaient très forts, donc ça l'a bien été. On en a un autre qui est en train de le faire présentement, puis on aide beaucoup avec les livres des anciens sigles pour venir comme trouver soit de la drill, juste pour venir comprendre un peu... les notions pour qu'après ça, elle soit capable de faire les tâches complexes. Donc, nous, c'est comme ça, mais on a seulement eu trois cas depuis le début, donc c'est pas beaucoup. Puis, nous autres, notre problème, c'est plus le 73 qu'on trouve qui est difficile, puis que là, ceux qui ont déjà fait l'ancien chemin, bien, on les fait finir dans l'ancien chemin avant juin pour pas qu'ils s'attaquent au 73. Francis qui mentionne justement que le SOFAD est très volumineux, donc deux livres de 300 pages. 300 pages chacun ou au total, j'imagine au total, je sais pas. Mais c'est pas tant le volume qui fait peur, mais plus aussi le niveau de difficulté des tâches qui sont présentées. Bon, le manque d'exercice, là, tu disais que tu allais piger dans d'autres cahiers, ça va, mais nous, on a comme une prof là, qui a ça pour un élève, deux élèves, mais c'est comme... une affaire parmi tant d'autres. Fait que pas nécessairement l'énergie, le temps d'aller. On cherchait justement d'autres ressources. Tu sais, je vois que Francis, il prend point de mai et qu'il prend trois chapitres. J'aimerais savoir un peu, je ne sais pas si il peut essayer de prendre le micro ou si ça fonctionne. Je me demande est-ce que ceux qui font seulement les trois chapitres à l'examen avec les tâches, est-ce que ça va bien? Ah, Émilie a pris. Ça a super fonctionné. Oui, super. Donc, en fait, ce qui s'est passé, moi, j'avais un élève qui était très, très, très rapide de soir. En une semaine, il a fait, faisait un cycle. À chaque semaine, il faisait un cycle. Donc, il a fallu que je pédale vraiment beaucoup pour l'amener à terme, là, finalement, pour être capable de fonctionner dans ses examens puis de réussir. Fait, en fait, je suis allée avec... J'ai pris toute la progression des apprentissages, ce qu'il y avait au niveau ministériel. J'ai dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut que tu saches? Puis je suis allée sortir toutes les informations qu'il fallait qu'il sache dans les anciens manuels. Fait que j'ai comme fait un document maison, mais sur le fly, là. Puis c'est vraiment ça qui a fonctionné le mieux. Parce que la façon que ce FAD fonctionne, c'est plus sur le long terme. Ça laisse l'élève mijoter, dire « Ah oui, ça, j'aurais peut-être besoin de ça comme information. Ah, OK, fait que là, il va me le montrer. Ah, OK, il faut que j'aille voir la réponse dans le corrigé, puis ils ne me l'ont pas montré encore. Puis là, ah, OK, là, il me donne la théorie. » Donc, c'est comme difficile pour un élève qui veut être très, très rapide et très, très efficace de fonctionner dans ce livre-là. Puis c'est relativement décourageant aussi. En fait, j'ai été dire « Bon, ben, gars, oui, tu vas aller faire les parties consolidation, les parties synthèse, les exercices plus difficiles du manuel de SOFAD, parce que c'est sûr que dans l'ancien programme, le niveau n'est pas le même,
Mais au moins pour la théorie de base, je suis allée avec l'ancien programme. Merci beaucoup. Okay. Je pense que ça va. Donc, si aussi vous voulez, voulez partager, peut-être si vous avez des feuilles de route, des feuilles de comme ça, je pense qu'il y en a qui seraient grandement intéressés. Donc, n'hésitez pas là. Le partage dans FGA, c'est très bénéfique pour tout le monde. Donc, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas. Donc, on a Marc-André aussi qui parle que donc, puis la plateforme Desmos ne pourrait pas compenser le manque de SOFAD. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la plateforme Desmos. On en a présenté en début d'année. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà du matériel. Dans les cycles de maths secondaire 5, je ne sais pas, Marc-André. Donc. Je viens d'aller voir, c'est ça, je vais regarder, excusez, je n'ai pas levé la main. Je lève la main. Je viens d'aller voir, puis tu sais, je me suis dit, je vais aller surfer sur ce que Québec avait fait. Tu sais, il y en a, je ne sais pas qu'est-ce qui. Mettons, François, je ne sais pas où est-ce que tes élèves, l'élève bloquait non plus, là, mais tu sais, il y a peut-être moyen d'avoir quelques ateliers qui viendraient compenser c'est plate, mais des faiblesses de la maison d'édition. Là. En tout cas, je suis en train de regarder. Moi, je pense que je vous inviterais à aller regarder qu'est-ce que cette équipe-là a fait comme travail de moine. Merci beaucoup. Donc, ceux qui ne connaissent pas le Desmos, ça, je pourrais peut-être mettre le lien. Je ne l'ai pas apporté de main, mais donc, je le mettrai peut-être dans le document collaboratif. Il y a un site qui a été fait pour la FGA, pour chacun des sigles. Donc, il y a des exercices sur la plateforme Desmos qui est une plateforme qui sert en même temps de grosse calculatrice graphique et de plateforme d'activité. Donc, il y a moyen de montrer de façon interactive des fonctions, des paramètres. Je suis comme, c'est un bit.ly. Merci, Jean. Je suis voulu aller trop vite, puis j'ai mis le lien en construction. Donc, oubliez mon lien. Prenez-le à Richard en dessous. Mais juste pour faire un lien un peu avec Marc-André, là, j'ai testé, puis pour des élèves qui... moi, j'avais justement mes élèves qui sont à l'université en même temps. C'était difficile de leur faire faire les Desmos, puis ils se perdaient un peu dans ça. Donc, c'est ça. Ce fut ardu. Je l'ai testé avec un élève, là, ce fut ardu. Lui, il a comme pas embarqué du tout, du tout, du tout. Peut-être qu'avec un autre, ce serait mieux. Mais avec lui que j'ai testé là, pour l'aider, là, il n'a pas voulu. Donc, ce serait à voir. Et merci. Émilie dit qu'elle va demander donc à son équipe si elle peut partager ses feuilles de route. Donc, c'est très gentil de ta part. François qui dit merci lui aussi. Parfait. Ah, oh, non, on a quelqu'un qui lève la main. Donc, oui, tu peux y aller, Rita. Dans le fond, ma question, c'est ça concerne les élèves qui sont lourdement handicapés, qui peuvent juste utiliser leurs mains. Et un clavier, dans le fond, pour faire les épreuves. Quel logiciel vous utilisez quand ils doivent faire maintenant des graphiques ou des dessins? Donc, je me questionne par rapport à ces élèves-là parce qu'on a quelques cas qui sont lourdement handicapés. Puis, dans le fond, quand ils sont rendus en secondaire 3 ou 4, ben, comment ils peuvent faire leur épreuve s'ils ne peuvent pas écrire là, sur le papier? Juste comme ça, je pense à Desmos, qui a la version en plus qu'on peut limiter l'accès en ligne, si je ne me trompe pas. Oui, mais on avait fait la demande l'année passée pour pouvoir l'utiliser en examen. Malheureusement, comme on n'a plus de responsable, c'était dans les mains de Mme Boyer. On était supposé de la rencontrer en septembre-octobre, mais là, vu qu'on n'a plus de responsable de programme, la demande a comme tombé à l'eau. Donc, comme c'est là, on ne peut pas utiliser ces outils technologiques-là, qui est comme une plateforme Desmos hors ligne ou GeoGebra, là, si je ne me trompe pas. Là, je ne pense pas que GeoGebra est admis non plus. Mais là, ça, je ne suis pas sûre à 100%. La calculatrice graphique pourrait peut-être être une option aussi pour faire, tu sais, elle est admise à l'examen, tout dépendant de c'est quoi sa motricité, ça pourrait être une option. Sinon, est-ce que, là, j'y vais de... Est-ce que sur la tablette avec un crayon, il pourrait, sur feuille, tu sais, devenir... utiliser la tablette avec une application X là, qui pourrait venir faire ses dessins dessus? Est-ce que sa motricité est assez forte
En fait, c'est pour le 41-53, là, le MAT 41-53, j'ai pensé à Paint. C'est sûr qu'il faut faire une demande au ministère, mais c'est le logiciel que je trouvais qui était comme le plus easy, friendly, puis en même temps, ça ne permettait pas à l'élève de faire des calculs et faire lui-même. Donc, ça, c'était pour le 41-53, mais là, je me questionnais, j'allais plus loin, là, quand il va être rendu dans le cours, il doit faire un nuage de points. Bon, c'est là que je trouvais ça difficile. T'sais, t'sais, la calculatrice graphique, après, il peut laisser des traces pour l'enseignant, j'imagine, avec un logiciel. Je me questionnais par rapport à ça. C'est une bonne question. Paint peut être une utilité. Moi, personnellement, je ne sais pas de quel CS vous êtes, là, mais j'irai à ma sœur avec soit votre conseiller récit ou si vous avez un technopédagogue, puis d'aller voir toutes les options. Chercher des ressources là, qui répondraient exactement à vos besoins, moins rapidement comme ça. À part Desmos, qu'on n'a pas le droit à l'examen pour les graphiques. Il faudrait que mon cerveau. Sinon, moi, j'avais dans la tête peut-être OneNote, qu'on peut mettre un quadrillé puis les graphiques. Je ne sais pas si tu acceptais l'examen non plus. Est-ce que je ne connais pas trop ça? Mais sinon, je sais que ça qui est possible. Il y a même un outil, une règle pour faire des lignes droites, puis des choses comme ça. C'est vraiment une feuille papier quadrillée, puis on peut dessiner dessus. Mais sinon, non plus, là, j'avais Desmos, mais si tu interdis l'examen, on n'est pas plus avancé. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées. Sinon, comme Emmanuel dit, ben, peut-être aller voir votre conseiller, soit techno ou récit, à ces niveaux-là, peut-être qu'il pourrait aller chercher de l'information là, auprès du réseau ou peut-être qu'il en connaît lui-même. Donc, Marc-André dit « Techniquement, rien n'est accepté. » Effectivement, ils sont assez stricts à ce niveau-là. Mais ça dépend, il doit avoir un plan d'intervention. Donc, si c'est un élève qui est lourdement handicapé, peut-être qu'il y a à son plan d'intervention des spécificités qui feraient qu'il a le droit à. Donc, il faudrait regarder aussi son plan d'intervention. Donc, qu'est-ce qui est permis pour lui si on reste. Oui, Rita. Ben, en fait, l'élève a droit à un accompagnateur en tout temps, là, mais l'élève aimerait être plus autonome. C'est pour ça que je me posais la question si c'était déjà arrivé pour certains de faire une demande au ministère ou s'il y avait un logiciel peut-être à explorer pour ça. Mais contactez Louise Roy qui est la ressource récit maths, sciences, techno. Peut-être qu'elle aurait des idées puis elle pourrait peut-être aussi relancer. L'équipe précise autant du secteur des jeunes que le secteur des adultes pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui se fait en adaptation scolaire. Moi, j'irais voir peut-être un conseiller pédagogique du secteur des jeunes en adaptation scolaire, qu'est-ce qu'ils font avec les élèves handicapés. Donc, ça pourrait peut-être être une option là, de voir c'est quoi les autres leurs modalités à l'examen. Fait que peut-être de contacter là, un CP en ADAP ou Louise Roy, là, qui est la conseillère récit, elle a peut-être une idée d'outils techno là, qui pourraient vous être utiles. Peut-être mettre son courriel dans le clavardage là, pour Rita. Ok, Rita, je parle avec. C'est bon. Alors, on va continuer. On avait quelques petits points rapides là, pour terminer. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais. Donc, juste le partage de pré-test sur Moodle FGA en secondaire 5, c'est juste pour vous dire que si vous n'aviez pas été encore sur Moodle FGA en mathématiques, il y a eu plusieurs partages de pré-test. Là, vous pouvez peut-être aller voir, là, c'est intéressant. On voulait aussi faire un petit retour sur le webinaire de Louise Roy qui a été donné le 15 janvier 2020. Donc, ça, c'est accessible à tous sur le site du Récit. Donc, vous pouvez le revisionner là, en tout temps, là, c'est disponible en vidéo. Donc, ça montre les fonctionnalités qu'on ne connaît pas trop de GeoGebra, qui est aussi une plateforme donc avec des activités, puis aussi les outils GeoGebra qui sont intégrés à ça. Donc, vous pouvez peut-être aller visionner si ça vous intéresse. Donc, Louise Roy n'est pas là aujourd'hui pour vous en parler. Elle devrait être là à la prochaine rencontre si vous avez des questions. Divers, est-ce qu'on a.
Oui, vas-y. Oui, je vais prendre la parole 2 petites secondes, excusez-moi. Je veux juste faire une petite promotion là, pour la KFGA, pour la journée à KFGA. Donc, en fait, il va y avoir une journée, et c'est confirmé, une journée de création d'ESMOS. Donc, le 15 avril, la journée avant le début du congrès. Donc, le but, ça va être de se familiariser avec l'outil d'ESMOS puis ses utilisations en classe, de présenter le matériel clé en main, donc un peu le site, et de venir après ça créer et améliorer du contenu spécifiquement pour la VGA. Donc, ça va être vraiment une journée de partage et de réseautage et de création. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense que les inscriptions vont commencer dans les prochaines semaines. Donc, gardez en tête qu'il y a une journée pré-congrès d'ESMOS qui peut être très intéressante. Je vais vous mettre le lien là. En fait, l'affiche, je vais vous mettre le lien de l'affiche dans le clavardage, ce ne sera pas très long. Marc-André qui mentionne que ce serait une bonne occasion pour créer du matériel pour le 51-71. Donc, avis intéressés. Exactement. Donc, Richard qui mentionne que le programme de la KFGA devrait sortir la semaine prochaine. Donc, restez alerte si vous voulez vous inscrire aux ateliers qui vous intéressent avant qu'il manque de la place. Donc, je pense qu'on aurait fait le tour. Emmanuel, rien à rajouter? Non, c'est tout. J'ai fait de ma petite pub que je n'avais pas oubliée. 51-73, moi personnellement, là, j'ai eu 2 élèves en 51-73. Ça a été pas mal leur chemin de bataille, mais je suis allée vraiment m'appuyer sur les anciens sigles. On a travaillé les démonstrations avec l'ancien sigle, le 51-10, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est 51-10. Puis, à la reprise, puisque l'élève avait échoué le premier examen, à la reprise, ça l'a vraiment mieux été. Puis, utiliser encore une fois sur Alexandrie, les prêtesses de Louise Roy sont très utiles. Ils aident beaucoup. C'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. T'sais, il n'y en a pas des millions de prêtesses, mais ça peut être une bonne préparation à l'examen, là, les prêtesses sur Alexandrie de Louise Roy qu'on avait partagé à l'ancien après-cours. Donc, juste à remonter le plus haut dans le document collaboratif, là, vous allez voir, les liens sont là. Donc, ça peut être intéressant. Ça va. Donc, je vous dis un gros merci à tous pour votre participation. Donc, merci pour les beaux partages encore aujourd'hui. Ça fait vivre notre communauté. C'est très apprécié. Merci à tout le monde. Donc, n'oubliez pas le 16 mars, le prochain après-cours. Donc, entre-temps, si vous avez des questions là, qui vous pop-up durant la tête, vous pouvez toujours aller les mettre dans le document collaboratif ou les mettre sur le Moodle FGA. Nous, on va aller les chercher là, pour le prochain après-cours. Donc, on se revoit dans un mois.